Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue mes chers amis pour le tirage sentimental du mois de février 2022. Ce tirage sera pour le signe des Verseaux. Le dernier signe donc par rapport à la roue astrologique. Ayant commencé par les Capricornes, n'hésitez pas à regarder les autres tirages sentimentaux si vous ne les avez pas vus, comme votre ascendant, votre signe lunaire. Tous les tirages donc généraux du mois de février sont sortis aussi. Si vous ne les avez pas vus, allez jeter un coup d'œil. Et ce tirage sera donc bien sûr pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. On va regarder ce qui va se passer pour le mois de février au niveau amour, célibataire, en couple, où vous en êtes, avec différents oracles et tarot. Une carte principale de l'énergie avec le tarot pour ce mois en amour. L'oracle lunaire, l'oracle des sorcières, et je vais utiliser l'améthyste love, le line of love et l'oracle des médéores. Et un dernier conseil en fait à la fin. Donc restez jusqu'au bout pour voir quel message ou conseil ont les fées pour votre vie amoureuse. Voilà. Alors bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Shiva, chers amis. Merci pour vos abonnements, votre présence, vos partages. Vos commentaires, j'apprécie beaucoup les retours, n'hésitez pas de commenter. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne si vous appréciez en cliquant s'abonner et la petite cloche qui est en haut à droite pour recevoir les notifications. Vous aurez donc tout accès aux playlists, à toutes les diverses vidéos que je fais, amour, spécial, la lune, la semaine, l'année 2022, etc. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez un mail. Qui se trouve sous la vidéo pour votre situation. Donc voilà, et je vous réponds entre un, dans les 3 jours à peu près, vous avez votre tirage dans votre boîte mail. Alors, on va regarder pour les Verseaux, qu'est-ce qui arrive donc en amour, quelle est l'énergie principale en amour pour le mois de février 2022, énergie du tarot. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse est liée à l'intuition, est liée à la connexion qu'on a avec le monde invisible. Vous avez cette énergie, en tout cas en conseil ou en énergie principale, vous allez devoir bien vous connecter à vos ressentis. À vos ressentis. Luna, tu arrêtes maintenant. Pardon. J'ai fait tout tomber mes cartes, mes plantes. Un petit bébé chat, 2 mois, pardon, à vos ressentis, à votre intuition par rapport à ce que vous vivez, soit dans votre couple actuellement, faire un bilan, ce que vous voulez faire. Luna, non? Ou bien par rapport à une nouvelle rencontre, ou par rapport aussi à votre vie amoureuse, est-ce qu'il y a des choses à changer, à améliorer? Écoutez votre cœur, hein? C'est vraiment ce que dit cette carte, la grande prêtresse. On va regarder 2 cartes d'énergie en supplément. Verseau, amour, février 2022. Il fait le fou. Verseau, amour, février 2022. Quel message, hein? Verseau, amour, février 2022. Prends cette carte. Résistance. Alors, quand je vois cette carte, résistance me dit tout de suite le message que j'ai en tête, c'est que vous avez de la résistance au changement. Il y a probablement une nécessité de changer certaines choses dans votre vie, les Verseaux, peut-être en général aussi, mais c'est ce que j'ai vu. Dans l'ensemble de votre vie générale ou sentimentale, où vous résistez, où vous vous accrochez au connu. Là, on voit, on s'accroche, hein, on prend la mousse avec nous. On a un peu de peine à avancer, on a un peu de peine à lâcher prise de nos acquis ou de nos connaissances ou de nos habitudes. Et je pense qu'il serait nécessaire de lâcher ces résistances, d'écouter plus ce que nous dit notre cœur qui va mieux nous diriger que notre mental ou notre, on va dire, routine ou notre manière de faire habituelle. C'est vraiment ce que j'ai, hein. On résiste au changement.
Alors que ce n'est pas ce qu'il faudrait. Il faudrait maintenant, avec tout ce qui se passe des fins karmiques, des nouveaux cycles, avancer vers autre chose, donc qui est plus connecté à votre moi intérieur. Les Verseaux, un autre message. Pour l'amour, en février 2022, Verseaux, février 2022 en amour. Verseaux, février 2022 en amour. Celle-ci. Ouais, vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez peur de lâcher vos connaissances, vos acquis. Vous avez peur de lâcher prise. La sécurité de sa maison, la sécurité du connu. Ce que je sais, ce que j'ai vécu dans le monde, dans le domaine, pardon, sentimental. Vous êtes là-dedans, résistance au changement, besoin de sécurité. Je peux comprendre, mais je ne sais pas si c'est la meilleure des choses à faire. On va voir après le tirage. Parce que ça c'est des cartes qui sont des cartes qui sont stagnantes, qui ne vont pas vraiment vers une évolution ou un changement ou l'écoute de notre cœur. Vous voyez? On va voir les Verseaux. C'est un peu comme si vous restiez dans votre acquis. Vous pensez que c'est comme ça que ça va marcher. Mais je n'ai pas l'impression. Alors, on va regarder avec l'améthyste love. Verseaux pour l'amour en février 2022. Verseaux amour, février 2022. Verseaux amour, février 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? Verseaux amour, février 2022. Le flirt. Verseaux amour, février 2022. Verseaux amour, février 2022. Ah, ouais. Parce que vous soyez en couple, vous voyez quelqu'un d'autre. Ou que... si vous êtes en couple ici, il y a de la rivalité. Un flirt, en tout cas il y a de la drague avec quelqu'un de tiers. Il y a de la drague si ça ne va pas plus loin ou des rendez-vous, une approche dans les couples Verseaux. Allez, message pour les Verseaux en février 2022 pour l'amour. Ça ne sort pas beaucoup, normalement elle saute facilement. J'ai le renard, donc vous pouvez être et utiliser... Bon, j'avais la carte de l'été, hein. Je la sors, mais elle était à l'envers. Je vais la remettre dans le jeu. Surtout, le renard me parle bien parce qu'on peut voir que là, vous pouvez utiliser justement vos connaissances, vos habiletés, de savoir comment faire. Par exemple, pour être dans une relation, mais en même temps, voir d'autres personnes. Vous avez ce côté rusé, intelligent, malicieux, où vous arrivez à faire passer, comment dire... de la tromperie à autrui par ruse ou malhonnêteté. Alors ça peut être vous ou l'autre, hein. On voit ici qu'il y a... moi je sens, alors il y a cette carte qui est tombée, Verseaux amour. Moi je sens ici que vous avez peut-être toujours vécu comme ça, en ayant peut-être plusieurs partenaires à la fois, ou avoir une relation stable et puis à côté de la drague, et que vous vous y fixez, vous vous y accrochez, ou vous gardez cette attitude, parce qu'elle vous sécurise, et c'est comme si vous aviez toujours fonctionné comme ça. Une dernière carte, Verseaux amour, février 2022. Et cette attitude que vous avez l'habitude d'avoir, ben c'est la triangulaire, ouais, c'est la triangulaire. On voit que vous pouvez, alors je vais me baser par exemple sur le Verseau, avoir une attitude très rusée, très maligne pour savoir vivre une relation tierce à côté ou dans votre relation de couple. Mais on nous dit que vous arrivez à une fin de cycle. C'est ce que je ressens. Pour moi, et on vous dit que vous êtes aussi quelqu'un qui restait sur le superficiel, que vous engagez pas vraiment avec le cœur. Comme si vous n'arrivez
pas à vous engager, vous aviez peur de l'engagement, ou par exemple on vous a trompé les Verseaux, ça peut être vous ou l'autre, là je ne sais pas encore, vous pourrez me mettre en commentaire, mais on vous voit comme quelqu'un de superficiel qui a de la peine à s'engager vraiment. Le chat, tu vas tomber. Mais ça arrive en fin de cycle. C'est pour ça que j'étais étonnée qu'il y ait encore cette accroche au passé. On sent vraiment... Voilà, voilà, t'es tombée. Pardonnez-moi. C'est bien, hein? T'es content? T'as tout fait tomber? Bon, il est tombé avec le sèche-linge. Et... fin de cycle pour tous les signes, hein, fin de karma, réglage. Et normalement, janvier-février, on est en début avec des nouvelles habitudes, avec ce qui correspond à notre cœur, vraiment, à notre âme. Là, j'ai l'impression que vous êtes plus dans l'ego, dans la conscience, dans les habitudes et dans le passé. Et que vous reprenez les mêmes et on recommence. Donc, une attitude où on arrive à bien manipuler l'autre, entre guillemets, lui mentir ou utiliser la ruse pour voir d'autres personnes alors qu'on est avec quelqu'un. Mais moi, on me dit clairement qu'on arrive en fin de cycle, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il peut y avoir un froid dans le couple qui le ressent. Donc, on peut vous faire ce coup-là ou vous le faites à votre partenaire. Donc, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai l'impression que c'est vous ici. On va voir avec Line of Love. En tout cas, on dit rivalité, personne rusée, personne superficielle qui a de la peine à s'engager. Est-ce vous ou est-ce votre partenaire? Il y a en tout cas ce problème dans votre vie qu'il va falloir dépasser au niveau amoureux. On me dit vraiment pour aller à un stade plus loin et changer ses karmas. Verseau, amour, février 2022. Verseau, amour, février 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? Verseau, amour, février 2022, line of love. Ok. Triangulaire. Bon, bon, bon. Certains, vous êtes en train de vivre ça actuellement. Vous allez vivre ça peut-être dans ce mois. Vous êtes en couple et vous allez draguer ailleurs. La carte de l'équilibre. J'ai mise dessous parce que c'est la même carte. Mais il vous faut trouver un équilibre. Parce que là, il n'y est pas vraiment. Pour vous, ça peut être un équilibre, oui. Mais pour le couple, non. Ça fait quoi, Luna? Vous aurez des choix à faire, bien sûr. On rencontre quelqu'un, on fait comme si tout allait bien avec son partenaire, mais en fait, on voit quelqu'un d'autre, là, en février. Vous aurez un choix à faire. Verseau, amour, février 2022. Verseau, amour, février 2022. Ouais, il y a comme une période de pause actuelle dans votre vie sentimentale et j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir envie de continuer ou l'autre n'aura pas envie de continuer dans cet état d'esprit. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut aller de l'avant vers d'autres manières de fonctionner. Ce n'est pas l'idéal du tout. Je ne juge pas, hein, mais à mon avis, le changement est nécessaire comme tous. Et pour moi, on parle vraiment d'habitude de sécurité, c'est que ça a fonctionné peut-être souvent comme ça, vous avez vécu souvent ça, mais qu'il vous faut passer à autre chose. Alors, on va tirer deux cartes. C'est nouveau le consultant qui ressort. Bon, là, ça vous rend joyeux, ça vous met en joie. Ou le fait de prendre une décision, de changer, de finir ce cycle... d'aller vers autre chose. Si vous écoutez votre intuition, parce que ce n'est pas dit que les Verseaux, là, vous allez avoir envie de changer. On voit que vous vous accrochez à vos habitudes, hein, votre sécurité. C'est clair dans les énergies, là. Je ne peux pas vous dire vraiment autre chose. On voit qu'il y a vraiment une notion triangulaire. Si ce n'est pas le cas, ça risque d'arriver que votre partenaire charme ou vous. Vous êtes dans la joie, peut-être la joie de la rencontre. Mais on voit qu'il y aura besoin de prendre des décisions, chers amis. Vous aurez besoin de choisir peut-être le partenaire avec qui vous voulez être. Choisir un autre mode de fonctionnement parce que la personne risque de partir.
On a eu comme le rejet, la séparation en dos de deck. Et je vais regarder avec l'oracle des Médéores pour compléter et le conseil. Oui, on avait le non. C'est possible que le face-à-face où vous dites non à une des deux, vous arrêtez, vous allez vers quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas l'idéal, hein. Là, il n'y a pas de changement. Mais on nous dit quand même clairement, sachez-le, que vous êtes en fin de cycle. Donc, si ce n'est pas ce mois que vous entamez un changement intérieur, ce sera peut-être nécessaire ou ça va vous tomber dessus. Un événement nous tombe parfois dessus pour qu'on change nos habitudes, notre peur du changement. L'oracle des Médéores. Alors, je vais demander pour les Verseaux en amour, février 2022. Le message pour les Verseaux amour, février 2022. Verseaux amour, février 2022. Quel message? Verseaux amour, février 2022. Verseaux amour, ouf, il a de la peine. J'ai 3-4 cartes. L'amour de soi. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi. Je sens ça. Un manque de confiance en soi, besoin d'être rassuré. Quand on manque d'amour de soi, là on vous le conseille, c'est la carte conseil, de vous aimer comme vous êtes, d'écouter votre cœur et votre âme. Vous êtes en alignement, vous n'avez pas besoin d'aller tester, voir ailleurs s'il vous plaise, et vous voyez. Non, Luna. Pardon. Je suis désolée d'être là en contact avec mon petit chat. Parfois, ça va bien, il dort, mais alors là, il fait le fou. Je demande encore pour les Verseaux le pardon. Donc, peut-être il vous faudra accorder le pardon s'il y a des conséquences de vos actes qui influencent votre couple. Ou vous pardonnez aussi à vous-même les erreurs que vous avez pu faire, l'attitude superficielle qu'il y a eu, le fait de vouloir toujours plaire quand vous étiez avec quelqu'un, c'est parce qu'on manque d'amour de soi. Encore une carte. Donc pardonnez-vous aussi. Si c'est l'autre qui vous trompe, il faut vous dire bon, que c'est certainement aussi dû à vous. J'ai le ralentissement qui est tombé. Le ralentissement, c'est normal parce que moi, je vois que ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous étiez avec des gens qui vous trompaient, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous mettez vraiment à votre sauce. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Les énergies ralentissent. C'est comme si vous arrivez au bout, hein, au bout d'un cycle, fin de cycle. Et peut-être le mois prochain, la roue va tourner vers du renouveau. Vous avez de la peine à le faire. En tout cas, pour le moment, vous êtes encore ancré dans une sécurité par peur. Par peur. Donc, on est soit avec des gens superficiels, soit des gens qui nous trompent, soit nous, on le fait. Parce qu'il y a un manque d'estime de soi. Ce qui est important, c'est donc d'écouter notre cœur et notre intuition, notre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle nous dit, ce qui est bon pour nous maintenant. Et c'est vrai que les choses vont ralentir, vous permettant, je pense, une prise de conscience nécessaire pour faire repartir, on va dire, les énergies dans un autre sens. Vous voyez? Le pardon est nécessaire aussi là. Et surtout, retrouver l'amour de soi. Retrouver l'amour de soi, c'est la base. Alors, message des filles, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Là, vous avez vraiment de la peine. La résistance, c'est je m'accroche au passé. Il y a eu souvent ce genre d'histoire. La sécurité, je m'accroche. Ouais, bah ouais, voilà. C'est exactement ça. Walk away, ça veut dire partir ou avance. Quitte une situation malsaine et profite de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à toi. C'est comme ça que je ressens le ralentissement. C'est la fin, vous savez, d'une énergie et qui va repartir dans l'autre sens, mais différemment. Quitte les situations malsaines
et profite des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Pour moi, c'est effectivement malsain parce que vous n'êtes pas à l'écoute de votre ressenti et de l'amour sincère. Vous vivez des choses, des situations, des relations basées sur la peur, basées sur l'ego, basées sur le besoin de se rassurer, basées sur la tromperie. Donc, il y a un chemin qui est pour vous important à quitter. À travailler, c'est quitter cet état d'esprit de manque d'amour de soi qui entraîne tout le reste. Retrouver confiance, retrouver estime, retrouver la connexion à votre âme pour aller dans, dans des relations vraies. Comme ça, il n'y aura plus de tromperie, il n'y aura plus, a priori, le besoin d'aller voir ailleurs pour l'autre ou soi-même. Mes chers amis Verseau, voilà, j'espère que ce tirage va vous éclairer sur votre situation pour ce mois de février 2022. Merci de partager votre expérience, comment elle résonne à ce tirage. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.